Salut les amis, c'est Kali, on se retrouve sur le nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey avec l'histoire de Cassandra. Donc on en était à essayer de trouver Elpenor pour le tuer, lui piquer sa cape et son masque. Pour rejoindre le culte de Chronos. Donc il faut que je rentre là-dedans. L'endroit est bien gardé. Effectivement, ça a l'air bien gardé. Mais j'ai pas de visuel. J'ai aucun visuel. Alors, est-ce que je peux utiliser un genre de leurre? Si je tire une flèche par là, par exemple. Est-ce qu'il va venir voir? Ah, je les ai tous attirés. Non, parce que je vais remonter, je vais lâcher l'aggro. Enfin, pour ceux qui connaissent pas les termes, lâcher l'aggro c'est en fait me faire invisible pour que tous les PNJ reset en fait. Là j'ai vraiment fait n'importe quoi encore comme d'hab. Parce que là du coup maintenant ils sont tous là. C'était pas très très malin. Ce chien va regretter d'être venu. Bon bah en attendant je vais aller faire le reste. On va descendre par là. Bah, c'est la nuit, il me capte pas trop. Il n'y a rien à voir là-dedans. Donc c'est ça le fameux serpent. Ah oui, effectivement, il est une belle gueule. Il y a 6 gars du culte à tuer, 2 trésors et un capitaine. Ils sont que 2. Ah t'as raison, la mort approche. T'avais raison. Ça fait déjà 2 en moins.
Vous avez des ennemis qui sont trop forts pour vous, n'hésitez pas à faire comme moi, vous les balancez dans le vide. C'est la meilleure technique. Il y aura un coffre par là, non? Ouais. Voilà. Le deuxième, il est à l'intérieur. Donc là, ils sont tous en train de remonter, a priori. Donc je peux peut-être la jouer fine. Bon, cette fois-ci, faut pas que tu fasses de conneries, hein, Kali. Voilà. Donc là, on arrive près d'Elpenor. Il va forcément me capter. Je sens d'ici la pureté. Quel dommage. Nous t'aurions rendu riche avant de te tuer. Et si je me battais plutôt avec l'épée? Allez, viens. Laisse ma mère tranquille. Oh, tu m'as tapé là? J'ai pas rêvé. Allez, viens, viens. Tu vas mourir, Elpenor. Est-ce que je peux le prendre sur mon bateau? Ça serait marrant. Ça serait trop marrant. Imaginez, je le prends en lieutenant sur le navire. Allez, j'essaye. Ah non, je peux pas. C'est une erreur de me tuer. L'erreur, c'est de t'avoir écouté, Akefalonia. C'est grâce à moi que tu as pu quitter cette île. Le culte voulait te tuer. Quel culte? Où sont ces gens? Jamais rien vu qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Elpenor. Il pourrait m'être utile. Voilà, quête finie et j'ai gagné un plastron. Plastron. Il est où? Un petit plastron à écailles légendaires. Ouais, il est pas beau. Enfin, du moins il va pas avec ma tenue. C'est des dégâts d'assassin. Ouais, dégâts poison par contre j'aime pas trop. Ouais, c'est un truc orienté vers le toxique. Et mon plastron il est que level 9, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Dégâts d'assassin.
savez quoi, pour l'instant on va mettre celui-là parce que je sais pas ce que j'ai fait. C'est bizarre que j'ai encore un plastron level 9. Bon, on va changer le skin. On va remettre mon skin de chasseur. Ah, j'ai des nouveaux, armure de cogneur. Ah, elle est classe aussi, elle. Ouais. Enfin bref. Pour l'instant, oui, c'est un peu dégueu, hein, mon armure. Je m'y attarde pas trop tant que je suis à petit level. Allez, on va en profiter pour vider le coffre. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Du level 19 en chasseur. Les dégâts de guerrier, résistance au corps à corps. Chasseur et guerrier, ok. Pour l'instant, je vais garder mes pourcentages d'assassin parce que ça m'aide quand je fais mon attaque. Et il y en a un qui est revenu. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Ça va m'en faire un gratos. Voilà. Donc il en reste 4. Alors lui, si je pouvais l'éjecter, ça serait bien. Bon, voilà, on va se la tenter. Allez, casse-toi, toi. Il va me voir là. J'ai dû remettre un coup derrière, mais ça le fait. Allez, concentre-toi, arrête de faire n'importe quoi, Kali. Chaque fois qu'ils deviennent rouges, c'est chiant. Non, on n'a pas ce mode là. Ils sont balèzes les mecs du culte, hein. Surtout qu'ils reprennent vite leurs esprits. Voilà. Ah là, le camp est fini. Rendez-vous au prochain lieu. Alors, l'antre du serpent, parler à Hérodote. Hérodote qui est... Pourquoi à chaque fois je sors de là pour aller voir la carte? Hérodote, il est là. Vous savez quoi, on va faire un déplacement rapide, hein, c'est rapide, vite.
On va aller voir ce PNJ là, voir ce qu'il veut. Une mercenaire te serait utile, homme d'État ? Tout s'effondre autour de moi. Non seulement mon frère, Elpenor, est tué. Et ma carrière politique va disparaître. Elle aussi. C'est le frère d'Elpenor. C'est moi qui ai pris la vie de ton frère. Toi ? Sale chienne. Tu vas payer pour ce que tu lui as fait. Il a été mis en pièces. Tu mérites un sort pire que la mort. Et c'est toi qui vas me tuer ? Ah non, il fait avec de la quête. Échec de la quête, trop fort. Mais je peux pas le laisser en vie, c'est le frère d'Elpenor, quoi. Maintenant que je lui ai dit. Voilà. Alors, voilà la salle secrète. La subtilité n'est pas leur fort. Alors, c'est ici. La salle secrète du culte. Ici, pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements ? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'ils les voient d'un bon œil. Comment tu me trouves ? Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter ? Moi ? Et voilà, on est pour le rassemblement des adeptes, et on verra ça la semaine prochaine. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager un maximum sur vos réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Et surtout, abonnez-vous. Une fois que vous serez abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour rater aucun de mes contenus. A bientôt les amis.